Karis Hello, mes guideurs avec nous, Joseph Clemens. Déjà, bienvenue sur ma chaîne, Kirby Guideur. Avec nous, dans une vidéo que nous trouvons qui est extrêmement importante. Là-dedans, je vais vous montrer comment nous sommes capables de récupérer un compte Gmail. Que nous avons oublié le mot de passe, normalement, dans la vidéo, ça, suivez-le après. Comment nous sommes capables de récupérer un compte facilement, même si vous avez oublié le mot de passe en suivant ça avec nous. Donc, nous allons comment nous sommes capables de connecter. Bien facile, il y a plusieurs étapes là-dedans. Je suis attentivement, normalement, pour nous, comment nous capable de réaliser ça. Ok, ou bien plusieurs côtés où vous connecter sur le téléphone, sur un compte Gmail, nous faisons vidéo sur ça. Moi-même, je passe directement sur YouTube. Moi, pour aller tout en haut à droite, sur petit sec, qui a une photo ou bien logo, un compte ou Chanel 1, on va juste cliquer sur lui. Après ça, on va aller sur changer de compte. Normalement, sur elle, pas pareil comme ça. Connais YouTube ou pas à jour, juste à mettre à jour sur un Play Store. Après ça, cliquer normalement sur petit signe plus ça là pour ajouter un compte là. Dans vérification, pour vérification des données, les commandes de code sécurité que vous mettez sur téléphone, sur un code. Moi-même, c'est empreinte, juste mettre empreinte, ou même sur un code schéma ou PIN quelconque, ou juste mettre pour vérification données. Là, qui ça me va faire, je vais ajouter le compte là. Par exemple, le compte là, c'est Kirby Guide, et puis à commercial gmail.com. Ok, je vais juste faire cliquer sur suivant. Après ça, je vais essayer de mettre un mot de passe, comme je le mot de passe. Normalement, les 10 mots de passe, ça me met à l'incorrect. Qui ça m'a fait, je vais cliquer sur mot de passe oublié. Ça, c'est la première méthode normalement pour connecter avec un compte Gmail que oublier mot de passe. Là, là qui ça dit récupération de compte par qui ça, par un compte Gmail. Récupérer compte ça avec qui ça, à l'aide d'un compte Gmail. Compte Gmail, ça qui ça lié. C'est un compte, l'aime d'app sécuriser compte moyen, moi te mettre comme code de vérification ou bien comme code de validation normalement sous compte Gmail. Ça, c'est-à-dire. Nous faisons une vidéo là-dedans, comment nous sommes capables de sécuriser le compte Gmail ou bien chaîne YouTube. Si vous voulez les petites vidéos, ça clique tout en haut à droite sur le petit sec qui est ici pour les vidéos. Normalement, pour voir comment capable de sécuriser. Premièrement, on va laisser recevoir un code de validation par qui ça, par compte Gmail que vous mis comme compte validation. On a juste cliqué sur envoyer. Quand y a là, qui va le faire, on va aller directement sur compte Gmail ou sur boîte mail ou qui c'est Gmail normalement ou alors recevoir code là annoter code ça normalement ou annoter compte Gmail ça supposé sur une boîte téléphone déjà ou bien sur boîte ou mettre code là pour qu'à recevoir code validation ça qui c'est un code 6 chiffres menu qui ça m'a fait m'a cliqué sur les environ 2 secondes pour sélectionner puis me copier ou bien ou capable que code là nan tête ou normalement pour aller vider code dans là ou bien pour aller écrire code dans là parce que vous mettez clavier à juste cliquer sur suivant. Quand il y a là qui soit fait, vous mettez un mot de passe, un autre mot de passe, un mot de passe ou sûr que vous pas oublié par exemple. Mettez ça par exemple. Un autre mot de passe, vous mettez même mot de passe ça là encore. Alors, vous cliquez sur enregistrer le mot de passe. Je vous dis pour créer un mot de passe, il faut utiliser un mot de passe qui est lettre avec chiffre. Par exemple, bon ben. Ok. Ça me clique sur enregistrer le mot de passe. Après ça, on va cliquer sur j'accepte. Normalement, on connecte ce compte Gmail là, sans que ou pas gain mot de passe ou restaurer avec ou connecter avec un nouveau code. OK, nous kawe compte Gmail là bien belle normalement connecté normalement sur téléphone. Normalement, ça c'est la première façon que vous capable connecter avec un compte Gmail qui oublie mot de passe là. Deuxième méthode là, nous va le suivre ensemble avec moi. Comment on est capable de connecter facilement sans que nous va aller sur paramètres sans que nous va un mot de passe là
nous allons aller sur paramètres là nous avec partie mot de passe oublié. On applique sur compte, après on applique sur après ça, nous allons aller cliquer tout en bas sur ajouter un compte. Là, bas sur l'autre côté, vous pouvez passer toujours par YouTube ou bien par Google. Après ça, cliquer sur Google pour aller essayer de connecter. Mettez un mot de passe pour aller essayer de connecter. Il y a une autre façon que vous oubliez le mot de passe normalement. Même quand j'ai mis ça, par exemple, qui a envie guide. Mettez les vim voye l'aller. Ok, mais quand j'y mets là, je tout bon totalement. Quand y a là, qui ça? Moi, oublie mot de passe, par exemple. Moi, oublie mot de passe, je clique sur suivant, je dis mot de passe incorrect. Je clique encore sur mot de passe, oublie qui c'est. Deuxième méthode là. Au lieu de m'utiliser quand j'y mets, je ne peux pas utiliser quand j'y mets. Parce que si toutefois qu'on dit mail ça passe en boîte ou pas qu'à connecter là-dedans parce qu'il faut qu'on recevoir code validation ou bien code de vérification par qu'on dit mail ça pour connecter sur qu'on dit mail ça qu'on a qui ça va faire ou appliquer sur essayer une autre méthode ou appliquer sur essayer une autre méthode normalement on va attendre qui méthode y a bon méthode ça c'est avec un SMS ouais récupération de compte processus à fait avec numéro de téléphone, c'est-à-dire pour recevoir un SMS ou bien un appel. Mais faut numéro ça normalement soit sur une boîte, faut numéro ça disponible, soit sur une autre boîte ou bien sous boîte que ou à connecter. Capable faire par deux méthodes, soit SMS, soit recevoir par SMS ou bien par appel. Moi-même, mon préféré SMS, ça m'a juste cliqué sur SMS. À noter, y a pas bon tout numéro là parce que y a un numéro c'est pour la pied. Il y a bon deux derniers chiffres numéros que vous mettez pour sécuriser compte YouTube ou bien compte Gmail ou un on a cliqué là sur SMS après ça il peut pas voir le code là ouais il trouve le code ça automatiquement parce que un numéro a normalement sous boîte que m'a connecté si toutefois numéro pas sous boîte là faut qu'il était sur l'autre boîte pour me recevoir le code là pour me le mettre côté nous est automatique automatiquement ça fait automatiquement automatique c'est parce que non sinon Google moins à jour et d'autres applications nous à jour le fait automatique ou même il va la faire automatique ou tu vas aller dans SMS ou aller point code là ou aller mettre le côté ouais je saute mettre le pour moi qu'on y a qui ça va faire ou mettre on l'autre mot de passe là mais assure mot de passe ou mettre ou pas oublier ou confirmer même mot de passe ou mettre là dans deuxième ça encore fort mot de passe li gagne lettre ak chiffre là-dedans pour yon en tout 8 caractères vous allez cliquer sur enregistrer mot de passe normalement moi juste connecter encore à cliquer sur j'accepte normalement ou bien et belle connecter sur compte Gmail sans contrainte à partir de téléphone ou après du ou bien et belle connecter après compte Gmail là bien et belle sur téléphone wa. Encore troisième méthode pour connecter, pas oublier l'autre méthode plus belle encore. Troisième méthode, normalement, il est fait avec deux téléphones. En premier, le téléphone que vous avez maintenant, c'est déjà sous lien. Ensuite, il y a l'autre téléphone. Si nous par exemple, sous téléphone, ça va le connecter sous compte maintenant. Ok, je vais aller juste dans paramètres. Ensuite, je vais aller dans Cloud et Account. Je vais aller sur compte, je vais ajouter un autre compte. Comme son compte Google, cliquez sur Google. Après ça, m'attend système. Après ça, me cliquer là pour mettre compte Gmail là. Qui c'est Kervi guide. Après ça, moi cliquer sur suivant pour me lancer. Moi oublier mot de passe par exemple, oublier mot de passe, me dit aller et dit que moi oublier mot de passe qui ça m'a fait m'a cliquer sur mot de passe oublié. Après là, ok, m'a cliqué sur essayer une autre méthode là. Voilà. Là, y a bon un numéro 62 dans l'autre téléphone là. Y a dit confirmer. Y a demandé pour confirmer si c'est moi-même. M'a juste cliqué sur oui. Après ça, m'a cliqué numéro moi là qui c'est 62. Normalement, automatiquement.
moi pour aller connecter mais mettons l'autre mot de passe un nouveau mot de passe ah oui ça m'a cliqué sur suivant à noter fort mot de passe là à 8 caractères il est capable bien l'être avec chiffre m'a cliqué sur suivant normalement moi connecté directement à partir yon l'autre téléphone c'est trois méthodes ça nous capable utiliser pour nous connecter sur un compte Gmail que n'oubliez mot de passe hein, déjà sur mes vidéos juste bon un petit like et sur comprendre tout bagaille fais-moi comme ça dans commentaire si gon bagaille que me pas ajouter tout juste adli dans commentaire là Kevin a répondre avec tout commentaire déjà sous nouveau sur chaîne pas oublier abonner et activer petite cloche notification pour pas rater pièce vidéo qu'a fait sur chaîne Kevin Guido. Ciao.